Bienvenue chez Hyper Boisson Bitonaille. Aujourd'hui, le patron n'est pas là, on tient les rênes. Qu'est-ce que vous faites ici au magasin? On est tous des conseillers. Moi, un peu plus spécialisée dans les spiritueux, donc les rhums. Vous avez la partie coffret, donc vraiment pour offrir pour Pâques, avec des verres ou soit en forme de mignonnette. Alors, comment choisir un rhum, par exemple, pour une femme? Généralement, les femmes aiment bien les rhums un peu plus sucrés, vanillés, spéculoos, même un peu pâtisserie. Ah bon? Vous ouais. En avez? On a les Santos Dumont, là, on sera un peu plus liquoreux. On en a un qui a été élevé en Fugellerstraminer. Pour les fêtes de Noël, on a reçu un beau rhum spécialement pour nous, élevé également en fût de Gewürztraminer. Il se consomme comment le rhum? Personnellement, à boire brut, à tempérer, c'est très bien. Parfait, on va rejoindre votre collègue. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors avec vous, on va faire une tournée dans les whiskies. Tout à fait. Jonathan, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 2018. 2018, alors qu'est-ce qu'on peut offrir à Pâques? Nous avons une belle sélection de whisky japonais. Petit coup de cœur, on a rentré pendant les fêtes de fin d'année un whisky coréen. Très rond, très doux, pas du tout tourbé. Parlez-nous de votre coup de cœur. Le Macallan, le Night on Earth. Édition limitée à 2000 bouteilles pour le marché français. Vieilli en fût de bourbon, de chêne américain. Très rond, un peu biscuit sablé sur la cannelle. Des whisky smoked. Qui sont bien tourbés, bien fumés. Puis rond, hein, j'en ai un vieilli en fût de rhum, vieilli en fût de sherry également. Vous avez un sacré rayon. Je laisse place à Anna. Bonjour Isabelle, bienvenue au magasin. Merci. Donc moi, je vais vous présenter les vins et plus particulièrement une sélection de deux vins sympas pour les fêtes de Pâques. Venez, suivez-moi, je vous montre. Un vin facile, on est sur le Bordeaux Cheval Noir en Saint-Émilion, donc un grand cru. On peut l'avoir sur de la viande, du fromage, des tanins soyeux, fondus. C'est vraiment très très bon. Ou sinon, avec les beaux temps, le rosé, voilà, le Pouet Chaud. Très bon vin, facile, très fruité. Sur les tables avec les barbecues, c'est juste excellent. Une sélection de champagne. Quelque chose de très sympa, la Veuve Clicquot. Voilà, là on est sur quelque chose de très féminin. La bouteille est belle à offrir ou même à présenter comme ça sur votre table de fête, c'est juste magnifique. On va du côté des chocolats, bien sûr. Vous êtes au bon endroit aussi. Les chocolats viennent de la maison? De la maison Grimmer. Vous avez du chocolat blanc, du chocolat noir, pour tous les goûts. Du très bon chocolat artisanal, du pur cacao. Venez, je vous présente Alexandre. Le spécialiste de la bière. On est allé avec vous, d'ailleurs, il y a quelques temps, visiter une brasserie du côté de ma sœur. Bien sûr, brasserie Thal à Viroval. Venez, je vais vous faire découvrir quelques petites bières sympathiques. Des bières faciles à boire aussi pour les beaux jours qui arrivent. En bière assez légère, on a souvent les bières blanches qui sont un petit peu fruitées, douces. Par exemple, la brasserie Galibo, des notes de banane légères. Comme on avait vu, la brasserie Thal, la petite Weissen, qui sera légèrement citronnée, donc même esprit. Brasserie Sainte-Crue, donc là, ça sera de la blanche très fruitée, très houblonnée. Une milkshake IPA au citron vert. Donc c'est une bière avec du lactose. Quand il fait beau, c'est parfait. On peut venir vraiment chez vous chercher du conseil parce que vous êtes un passionné. J'ai des bières qui viennent d'Australie, du Québec, des États-Unis, pays de l'Est, Angleterre, etc. Un large choix dans tous les styles qui existent. Et nous, on se dit à très vite. Je sais qu'il y a du monde qui arrive en magasin et les beaux jours sont là. Pâques se prépare. On vous dit à très vite. Ciao à tous et joyeux Pâques.